Salut et bienvenue sur la chaîne du CRL Gamer pour un putain de compte-rendu de ouf malade de la mort qui tue. C'est-à-dire que je tue la mort avec ça. Bon bah aujourd'hui j'ai fait un vide-grenier, j'en ai fait deux même. J'en ai fait une dans le... je crois que c'était à côté de Montparnasse, à côté de la tour de Montparnasse. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose mais il y avait des petites choses. D'ailleurs j'ai rencontré un youtubeur qui est connu, Nicky Larson XYZ. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je sais pas si il regardera la vidéo. Du coup, dans la première brocante, j'ai trouvé quelques cassettes, un petit jeu, et je crois, oui, quelques petits jeux, ouais, quelques petits jeux. Et dans la seconde, par contre, là, j'ai fait la Radia. J'ai dépensé, sans compter, j'ai dépensé 150 euros, là. Mais avec tout ce qu'il y a, franchement, je les rattrape facilement. Du coup, la plupart, ça va être pour la revente, et certains que je vais garder, quelques titres que je vais garder. Hein. Il y a deux titres que c'est vraiment de la merde, hein. Donc là, c'est surtout essentiellement, bon, il y a de la PS2, PS3, il y a, je crois qu'il y a quelques jeux GameCube, mais j'ai pas mis en tout encore, on va faire en plusieurs parties la vidéo. Donc je vais commencer par cette première partie, donc on va aller à celle, la deuxième, donc celle qui était au Gobelin. Je crois que c'était dans le 5e arrondissement. Donc on commence par un jeu PS2, je sais pas si je vais bien le voir là, hop, c'est lequel nom ça? Wheel Tour, je connaissais pas du tout. Et j'ai même pas regardé s'ils étaient complets, mais ouais, ils sont en parfait état. Alors c'est un très 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 gros lot, hein. Je crois qu'il y a 131 jeux. J'ai dépensé 150 euros, donc nickel. Donc je récupère le Wheel Tour. Si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à me contacter. C'est le numéro 51126, pardon. Et il est complet. Bon, la jaquette est un peu modifiée, mais bon, il est... complet, ça c'est fait. Donc la vidéo, je vais la faire en plusieurs parties, hein, bien sûr. Bon, il m'a donné un petit jeu de 3DS, hein, un jeu FIFA, avec même pas le jeu dedans, de toute façon, comme ça. Ça dira pour la boîte, je pense que je vais la vendre 1€ la boîte. On s'en fout. Là, elle est un peu moisie, et il y a le jeu Kirikou et les bêtes sauvages. Donc il faudra que je nettoie un petit peu la jaquette. Et il est complet. C'est sur PlayStation 2. Voilà, c'est essentiellement des jeux PlayStation 2 que je vais vous montrer. Il y a quelques jeux PS3, hein. Ouais, il y a quelques jeux PS3, ouais. Et ils sont nickels. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, hein. De toute façon, je vais les mettre sur Vinted la plupart, hein. Bon, il est un peu dégueulasse celui-là, il est un peu moisi. C'est le numéro 54725. Et c'est Kirikou et les bêtes sauvages. Donc il sera un peu à nettoyer celui-là. Après, on continue avec les jeux PS2 avec le Cheese Master, le jeu d'échecs le plus célèbre du monde, hein. C'est ce qui est marqué dessus, hein. Un jeu crédité par Fédération Française des Échecs. C'est ce qui est écrit. On est un peu dégueulasse. C'est fait par Ubisoft. Et il est complet. On ne va pas vérifier l'état des CD à chaque fois, mais ils sont tous en bon état. C'est numéro 51504. C'est un jeu d'échequier. Ça, c'est bon. Un jeu sous blister. Mais c'est pas un blister officiel, je pense pas. Hein. Non, ça c'est pas un blister officiel. En plus, c'est tout déchiré. C'est le V-Rally 3 sur PlayStation 2. Il est en français, c'est le numéro 50725, c'est fait par Atari. Là, c'est un vrai jeu sous blister, c'est le jeu Mace, je vois pas, Mace Griffin Bounty Hunter. Il est marqué quoi? Deux produits achetés, un offert. Trois, alors attendez, deux produits achetés égale trois produits offerts. Donc, on aurait dû faire ça, moi, à l'époque. Et encore le petit logo, tout ça, c'est le numéro 51653. Et il est sous blister, donc ça va partir à la revente. Bon, je pense que la plupart vont partir à la revente, parce que je les ai à peu près tous. Mais pour 150 euros, ouais, 150 euros, franchement, ça vaut le coup. J'ai récupéré le Enter the Matrix, fait par Atari. Je l'ai déjà celui en plus. Et de toute façon, ils sont tous nickels. Ça venait d'une collection apparemment d'une personne. Pas, ouais, il est en français, c'est le numéro 51203 pour le Matrix de l'Enter de Matrix. On va continuer sur les jeux PS2. Tiens, hop, on récupère un Dark Summit. Dark Summit, ça n'a pas vraiment vu que le jaquette, hein, le mot dark, hein. C'est un truc de ski apparemment, de snowboard, et il est complet. Soit c'est un jeu de snowboard, c'est numéro 50575, fait partie THQ. Tiens, un Adibou sur PS2.
les voleurs d'énergie. Adibou et les voleurs d'énergie, pardon. Et il est complet. Ah, je crois que c'était un jeu PlayStation en fait. Parce que là, on dirait un jeu PlayStation 1. Et en fait, là, il n'y a que ça pour repère. Franchement, s'il n'y avait que ça, à mon avis, ça devait être prévu pour la PlayStation 1. Et du coup, ils ont rectifié pour la PlayStation 2. Et il est complet. Et c'est le numéro 52521. C'est Adibou et les voleurs d'énergie. Waouh, ça fait peur. Qu'est-ce que ça fait peur? Hein, Britney avec un S, Dance Beat. Et danse pas avec sa beat. Du coup, hop, il y a des taches de... Oh, c'est quoi ça? Dégueulasse. Je sais pas ce que c'est, il y a des trucs noirs qui sont tombés. Waouh. Il y a plein de trucs noirs qui sont tombés. Ah, c'est des taches de démolissure, berk. Dégueulasse. C'est numéro 50947. Donc, ça va partir à la revente. Bon, par contre, ça, je sais même pas si je vais pouvoir revendre le U-Move Super Sports, fait par Konami, compatible avec la caméra USB iToy. C'est nécessaire en plus. Du coup, ouais, c'est le bon jeu qui est dedans. Ouais, c'est les petits trucs qui est un peu merdique. Hein. 52 594. On continue avec la PS2. Bon, ouais, ça, c'est du commun, hein. C'est de la merde. Hein. Du Pro Evolution Soccer 3. Pff, ouais, personne ne va acheter ça. Hein. Ça sera vraiment pour la boîte, hein, je pense. Hein. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Hein. De toute façon, tout va être mis sur Vinted ou sur le bon coin. Jet Ski Riders. Il est complet. C'est le numéro 50552. Avec une demoiselle, elle est pas moche. Elle est pas dégueulasse. Bon, pareil, ça c'est encore un classique. Hein. Un SingStar. C'est les mêmes boîtes que pour le Grand Tourisme. Hein. Ah, par contre, les boîtes là, dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Après, le plus important, c'est surtout d'avoir le jeu et la notice. Bon, elle y est. C'est juste les agrafes qui, je sais pas pourquoi, elles sont un peu rouillées. Hop. Bon, ça, c'est un jeu PS3. Ça aussi, on continue avec les jeux PS2 avec le Gasper Spirit Dimensions complet. Hop, on va quand même vérifier l'état du CD. Et ouf, ils sont tous nickel. Ça, c'est ça qui est top, c'est qu'ils sont tous nickel. Alors, l'avenir du monde des esprits repose sur tes épaules. C'est numéro 50647 et c'est le Casper Spirit Dimensions. On continue avec le PS2. Allez hop, ça c'est PS3, ça c'est PS3, ça c'est PS3. Hop, ça on verra plus tard. Je vous fais montrer le Onimusha Warlord, pardon, Lords avec un S au pluriel. Il est en parfait état. C'est en platinum, c'est le numéro 50247 et c'est le Onimusha Warlord. C'est par Capcom. Le SingStar Pop et Pop It's 2. Bon bah. Voilà quoi. Est-ce que c'est nécessaire de le présenter? Bon après, si ça intéresse des gens, hein, pour tout ça. Hein. Moi personnellement, c'est pas ma cam. J'ai récupéré le SingStar Pop. On retrouve les succès tels que Jamilia, Beyoncé, Outkast, Kane, ouais, enfin bref, quoi, ouais, tous les trucs, quoi. Les années 2000, les années 2005 même. Il y a 30 titres et clips originaux. Il y a Annie, Avril Lavigne, bon, ouais, c'est vrai qu'Avril Lavigne, c'est pas mal. Hein. Et c'est numéro 53178 et c'est sorti en 2005. C'est fait par qui ça? Par Sony. Un jeu sous blister, et c'est un truc de ouf, hein. Regardez-moi ça. Un Rock Band. Moi, j'ai pas Rock Bandé avec ça. Hein. Song Pack 1. C'est sûr que ça va pas me faire Rock Bandé. Hein. Du coup, si ça intéresse quelqu'un, il est sous blister. Hein. Donc allez-y, hein, avant que ça parte très très vite. Hein. Ça va partir tellement vite que. Il est déjà parti là déjà. On a récupéré un Buzz The Music Quiz. Bon voilà, il est complet. C'est le numéro 53304. Tiens, le Rock Band, c'est le numéro, j'ai pas dit, ça, 55344. Je ne sais plus si je l'ai dit. Encore des jeux PS2. Bon, il en reste encore plein d'autres jeux PS2, mais je vous le ferai dans la seconde partie. Hein. Le SingStar Pop It's 4. Waouh! Regardez-moi cette beauté. Il y a quoi? Il y a 20 titres originaux. Putain, on s'est fait avoir. On a perdu 8 titres. Encore quelques jeux PS2. Ouais, il y a encore 3 jeux PS2 là. Et après, je vous ferai montrer les jeux PS3. Alors, on a un test drive. Je crois que c'est un test drive Overdrive. Je crois que c'est ça, c'est TD, donc c'est Test Drive Overdrive, The Brotherhood of Speed, fait par Atari. Je
Je crois que c'est le test drive. Oh voilà. C'est dur à ouvrir. Par contre, les CD, ils sont en super bon état. Donc ça, c'est ça qui fait la force de ça, de ce lot. C'est le numéro 50778 et c'est fait par Atari. Alors ça, c'est encore un jeu PS2 et alors c'est Giant Citizen Kabuto. Version française intégrale. Et peut-être collant distribué par Explosive. C'est eux qui avaient fait Action Replay, il me semble. Et il est complet. Bon, il est un peu sale, mais bon, complet. C'est le numéro 50314. Je sais que sans doute Alex Gaming va regarder les vidéos, donc dis-moi si Alex Gaming, il y a des jeux qui t'intéressent. Hein. On peut faire un échange et... ou bien tu me rachètes des jeux, comme tu veux. Ou même, comment il s'appelle, Sony Adventure aussi, hein, qui veut faire un full set PS2. Du coup, je récupère ce Ultimate Pro, je crois que c'est ça, hein, Pro Pinball. Donc c'est un jeu de flipper, fait par Explosive. Encore eux, ils sont partout. Mais c'est qu'ils sont partout ces mecs-là, ils envahissent le monde. Alors c'est un jeu de flipper bien sûr et c'est numéro 53508. Donc j'ai encore un des gros lots de PS2 mais je vous le montrerai dans la prochaine vidéo parce que là maintenant on va passer à de la PS3. Ouais, c'est que des jeux PS3 il me semble, ouais c'est bon. On va faire ça sous blister, attention c'est un truc de fou, un jeu PS3 sous blister. Boom. Un UFC Trainer, The Ultimate Fitness System. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça, ça vaut 50 000 € ça au moins. Ça, c'est du 50 000 € facile, hein. Je suis riche et bon. Je peux hypothéquer ma maison avec ça. Voilà, bon, bah, c'est sous blister, c'est complet. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Moi, personnellement, en ce moment, qui va faire ça, je vois mal faire ça. Hein. Un autre jeu PS3, un PlayStation Move. Bon, ça, est-ce qu'ils ont besoin de le faire montrer, hein. C'est le numéro 1063. Là, d'ailleurs, on n'a pas de numéro pour celui-là. C'est le numéro 1178. On n'est pas loin, hein. Un The Shoot, c'est ça, le shoot. Complet bien sûr. Là on peut shooter. Je crois que je l'ai déjà celui-là. C'est le numéro 463. Et on aura les trophées parce que quand on voit la barre noire ici, généralement, c'est ici qu'il y aura des trophées. Un autre jeu PlayStation 3. Pff, je l'ai pas celui-là, mais bon. Moi, je complète. Ah c'est. Je la connais elle. Il me semble. Move Fitness. Bon, c'est pas moi qui vais faire du Move Fitness là-dessus. Hein. Il me semble que je la connais elle. Ah bah c'est en anglais. Oh c'est pas grave. Ça fait toujours ça de gagner. Hein. C'est le numéro 1509. Hein. Rugby. Oh là j'ai bloqué. Rugby World Cup 2015. Et il est complet. Celui-là je ne l'avais pas. C'est le numéro 2174. Et il est en français. Donc ça, ça va compléter le full set PS3. Pareil, ça va compléter. Le Grid Autosport. Il est complet. Il est pas moche, hein. Les images ont l'air belles, mais bon, une fois y jouer, ça doit pas être la même chose. Hein. C'est le numéro 2080. Hein. C'est le Limited Black Edition. Donc il doit y avoir une Limited White Edition, je pense. Et Yellow, et une Green, et une machin, et une bidule, hein. Edition. Donc ça, ça rentre dans le full set. Encore un autre qui rentre dans le full set. Je croyais que je l'avais, mais non, au final, je l'avais pas. Le Call of Duty Black Ops 3. Avec multijoueur zombie uniquement. J'ai jamais eu celui-là. Ah, il y a un code. Merde. On s'en fout, de toute façon, je ne vais pas l'utiliser. La série du FPS est la plus vendue. C'est que des multijoueurs, je pense. Hein. C'est le numéro 2166. On est bientôt... Ah non, pas encore fini avec la GPS3. Attendez, hop. Ça, c'était juste la brocante de Gobelin, hein, à Paris. Hein. Et il y en a encore plein d'autres. Hein. Il y a encore deux sacs hein, remplis. On récupère le WRC4. C'est ça. WRC... il est marqué quoi? FIA World Rally Championships 4. Putain, je passe 2 heures à lire le titre. Hein. Il fallait m'endormir en disant le titre. Du coup, bah, ça rentre dans mon full set. C'est numéro 1874. Bon, bah, c'est un jeu de rally. Hein. Enfin, juste nettoyer la boîte, j'aime pas l'aspect là, c'est dégueulasse. Faut savoir que le mec qui les avait, ça faisait des années et des années qu'il les traînait. Enfin, des années. Des mois et des mois qu'il les traînait. Donc, du coup, moi, je lui dis écoute, ça, tu prends, je te donne ça. Et sinon c'est rien. Il m'a dit oui, donc bah, sinon il se traînait encore avec ça, avec longtemps avec ça. Hein. Le Midnight Club Los Angeles, bon je l'avais pas, mais bon il n'y a pas la notice. De Los Angeles intérieur, bon c'est pas grave. Là je changerai la boîte par contre avec ce que j'ai en double. Hein. Bon après il n'y a pas la notice, c'est pas très grave, j'arriverai facilement à la retrouver. Hein. C'est pas ça qui est à côté. Ça par contre je l'ai déjà, c'est le Gran Turismo 5 The Real Driving Simulator.
Hop. Qui n'a pas ce jeu? Ah, c'est bizarre ça. Ah d'accord, ok, bon, c'est bizarre, on dit, je ne reconnaissais pas. Hop là, on va replacer en place. Et c'est un jeu de voiture, hein, bien sûr. C'est numéro 569 et on aura sans doute les trophées là-dessus. Encore quelques jeux PS3 pour compléter les full set. Bon, je l'avais pas en platinum, donc du coup, bah, maintenant je l'ai. Le Call of Duty Modern Warfare 2, le meilleur des Call of Duty. Hein. Hop, il y a, je sais pas ce que c'est ça. C'est un poster. Il n'y a pas de fille à poil dedans. Non, c'est bon, c'est juste un poster des mecs. Les mecs, horreur. Il y a des tâches là-dedans, enfin, par contre, nettoie ça. Donc, je l'avais pas en platinum parce que si on veut faire un full set, autant avoir tous les jeux. Donc, du coup, maintenant, je vais récupérer aussi les jeux platinum. Du coup, ça c'est beau pour Call of Duty Modern Warfare. Je les ai dans toutes les éditions normalement. Hein. Je crois qu'il y a l'édition normale et l'édition platinum. Après, il y a peut-être une autre version. Peut-être la version essentielle. Je suis pas sûr. Voilà, c'est un beau petit jeu. C'est le meilleur hein, des Call of Duty d'ailleurs. Hein. C'est numéro 684P pour Platinum. Un jeu que j'avais pas. Oula, j'allais dire tomber. Ah, Guitar Heroes World Tour. Bon, comme ça, moi, je l'aurais récupéré. Ah, c'est quoi ça? C'est pas un cafard, donc ça va. Hop, sa poubelle. Faut que je change la boîte. Il y a une notice ici. Le Guitar Heroes World Tour, ça c'est bon, c'est rentré. C'est le numéro 299. Not for sale. Ouais, c'est une version anglaise, bon, c'est pas très grave. On continue, il reste encore quelques jeux PS3 et après on va passer aux jeux PSP et à des cassettes vidéo. Le Michael Jackson The Experience. Aouh! Alors, inclut la chanson exclusive d'un Outer Parts of Me. Je connais bien cette chanson. Danser avec les manettes du PlayStation Move, vous pouvez même chanter si vous avez un microphone. Ouais, bah, même pas que je chante là-dedans parce que sinon, là, je pense que je vais me faire tuer par mes voisins. Hein. J'ai vu comment on chante. Ah, c'est le numéro 1135. Aouh! Michael Jackson! Ça c'est fait. Comme ça, au moins, j'ai pu aller acheter celui-là. Le Call of Duty Ghost, bon, celui-là, je l'ai déjà, mais alors pour le vendre, celui-là, ça va être une galère. Bon, je vais le vendre 2 balles, je pense, 2 ou 3 balles. On va essayer, on verra bien, hein, pour me refaire un petit peu d'argent. C'est le Call of Duty Ghost, c'est le numéro 1945. Ah, bah oui, 1945, ça correspond à la guerre. Ah non, enfin non, qu'est-ce que je dis? Une connerie, 45, c'est pas 45. C'est 5 ans plus tôt. Je dis n'importe quoi, je dis que des conneries. Hein. Ça fatigue ça. J'ai récupéré ce Little Big Planet. Ouais, c'est Little Big Planet, c'est facile. Hein. C'est pas Little Big Adventures. Je ne l'avais pas celui-là. Je l'avais eu un certain temps, mais maintenant je ne l'ai plus. Je l'ai vendu. Attends, je le récupère. C'est le numéro 141. Ah bah, il n'y aura pas les trophées là-dessus. Play with everything. Ah, ça va en anglais. Bon, c'est pas très grave, hein. Je trouverai facilement en version française. Voilà pour les jeux PS3. Bon, il y aura la suite des lots de jeux PS2 que j'ai récupéré dans cette brocante à Gobelins. Mais comme c'est trop lourd, comme il y a beaucoup, beaucoup de jeux, il doit en rester encore une cinquantaine. Je vais pas faire une seule vidéo, ça va prendre du temps. On est déjà à combien de minutes? On est déjà à 18 minutes. Donc, si je fais tous les jeux, il y en aura au moins pour 50, voire une heure de vidéo. Donc, je préfère vous épargner ça, donc on va continuer avec la première brocante que j'ai fait. J'ai récupéré 3 jeux PSP. Bon, après, il n'y a pas les jeux dedans, mais bon, c'était 1 euro. Donc, bon, il y a les jeux dedans, mais c'est pas les bons. C'est pas très grave. J'ai récupéré ce PES 6. Je suis sûr qu'à l'intérieur, ça doit être les bons. Non, c'est même pas le bon. Hein. C'est le Grand Theft Auto Liberty City Stories. J'ai peut-être la boîte de celui-là. Je regarde. J'ai récupéré le Tony Hawk Underground 2. Remix, alors je crois que j'avais la notice et du coup, ouais, il n'y a pas la notice, donc ça sera parfait. Donc le jeu est dedans, c'est bien le bon. Ah, tiens, on n'a pas de numéro, ça c'est le numéro 34 et celui-là c'est le numéro 476P. Et le dernier jeu PSP, bah bon, malheureusement il n'est pas dedans, mais il y a un autre jeu, il y a Spider-Man 3 dedans. Peut-être que j'ai la boîte, je sais pas, faudra que je vois. Mais par contre, j'ai la notice et la notice, il y a quoi d'ailleurs? C'est un truc de waf, on va remplir. C'est la boîte de Dungeon Siege Throne of Agony. Et à l'intérieur, c'est Spider-Man 3. Bon, pour 1 euro, c'est le numéro 569. Pour 1 euro, c'est pas très très grave. Hein. Avec les boîtes, je pense que la boîte du Dungeon, je peux la vendre 3-4 euros. Donc voilà pour la première brocante. Alors, celle-là, c'est le jeu PSP, c'était la première brocante. Donc, c'était à côté de mon paroisse. Et dans cette première brocante, il y avait aussi des VHS. Ah, bah, il y avait aussi un jeu PS3. Vous avez payé 2 euros. Le Rocksmith All News 2014 édition. Avec la meilleure façon d'apprendre rapidement la guitare.
Nouveau morceau, mode, outil. Alors il y aura peut-être des trophées, mais je sais pas à quoi ils serviront les trophées là-dedans. Hein. Je sais pas s'il y en aura, ça serait. Je serais curieux de savoir ce que c'est les trophées là-dedans. Rocksmith est de retour dans une toute nouvelle édition. Et pour apprendre à jouer de la guitare. Hein. Par contre, il n'y avait pas de notice, donc je le négocie à 2 €. Comme ça remplit le full set. PS2. C'est numéro 1862. T'es même pas né en 1862. Je crois que personne n'a été né en 1862. Et là maintenant c'est que des VHS, donc j'ai récupéré en VHS, allez on va faire celui-là, le Pokémon 2, le pouvoir est en toi, donc là-dedans c'est la bonne Pokémon 2000, il est marqué Pokémon 2000, Pokémon 2000, comme dirait Johnny, à l'intérieur il y a quoi, il y a The Powerpuff Girl, on a l'aventure de Pokémon, Titi Grominet, nanana, Tom et Jerry... Donc, je pense que ça doit être le bon, hein, Pokémon 2000. Le pouvoir, bah oui, il est marqué, le pouvoir est en toi. En toi! Et ça doit être un film, je pense. La bande-annonce de Pokémon 3, carrément. Ouais, je connais pas, j'avoue, j'ai jamais vu. Hein. Ouais, j'ai dû le voir à l'époque, mais je me rappelle plus. Alors, maintenant, on va continuer avec Pokémon, avec une autre VHS Pokémon, c'est Rondoudou à la rescousse. Alors, c'est les anciennes VHS, je pense que ça devait être, ça devait s'assembler, je pense, hein, vous voyez, il y a le logo. Je connaissais pas du tout celui-là, donc je me suis dit je vais le prendre, ouais c'est ça. C'est comme les premières éditions de DVD. Alors, il y a quoi? Il y a l'épisode... Non, c'est pas l'épisode 1, ça. Une jolie berceuse, l'île des Pokémon Tortue, les envahisseurs, lumière, moteur, action. Est-ce que c'est bon qu'il y a dedans? C'est bien le bon. Rondoudou la rescousse, c'est bon. C'est bien le bon. Ça, c'est fait pour Pokémon. Maintenant, on va passer à d'autres VHS. J'ai récupéré un Calimero, alors, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un que je connais. Calimero et Valeriano. Et on dirait un truc italien. El nouvel aventura de l'héros. Les trésors cachés. Non, c'est la version française, hein, parce que ouais, il m'a Calimero et Valeriano. Volume 1. Alors il y a le trésor caché, le message des extraterrestres. Ils n'ont pas le massage des extraterrestres. Hein. J'imagine pas si les massages, si extraterrestres nous faisaient des massages, mais allez donc. Waouh! Ça finirait mal pour eux, hein. Ça leur plairait pas. Donc le Calimero et le Valeriano, c'est bon, c'est la bonne VHS qui est dedans. Ça, c'est les dessins animés de mon époque, ça, je me rappelle. Je me rappelle même plus, ça date de quand ça? 96. Et il reste encore deux VHS. On récupère un Tekken. Un Tekken. Basé sur le jeu vidéo, hein, ça on reconnaît parce que regardez, on voit le mec là derrière. Tekken 3 en exclusivité sur PlayStation en septembre. Waouh, fait par Namco. Tiens, d'ailleurs, dédicace à Namco Show. Là, c'est Namco, mais pas Show. C'est Namco normal. Putain, on dirait Végétal, mec. C'est basé sur Dragon Ball Z. Par contre, je sais pas si c'est la bonne VHS qui est dedans. Hein. Ça va être le mystère. Oh putain, par contre, ça dure pas longtemps là-dedans. Hein. C'est quoi qu'il y a dedans? Version française intégrale? Version intégrale exclusive? Je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est Tekken Player Solution. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si c'est un dessin animé ou si c'est une Solus. Franchement, ça dure quoi? Ça dure même pas 10 minutes, ça, les cassettes. À voir ce que c'est. Et la dernière VHS, c'est sur Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Je sais pas ce que c'est ça. King of Game. For Kids Entertainment. Il fourre les kids. Donc là, il y a marqué quoi? Dans l'Égypte ancienne, il existait une force si puissante qu'elle avait été enfermée pour des millénaires. Aujourd'hui, un jeune garçon a réveillé le pouvoir. C'est l'heure du duel. Putain, faut le dire, hein. Imaginez s'il y a un comment s'appelle un mec qui comment s'appelle qui bégaye. Duel. Alors c'est Yu-Gi-Oh, donc je pense que ça doit être là-bas. Il est marqué la grande récré. Parce que c'est, ça doit être une bonne annonce. Ouais bah ouais, ça doit être une bonne annonce, hein, parce que vu l'épaisseur de comment s'appelle la pellicule, yeah, si c'est l'épisode complet, putain la merde. Ça a duré quoi, une minute, hein. Il y a juste le générique, je pense, là-dedans. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Ah, j'ai du mal à rentrer. Ah, ça rentre pas! Ah, saloperie de VHS! Oh putain, c'est dur à rentrer. Hein. C'est comme papa de la maman, mais sauf que là, maman, elle veut pas laisser rentrer. Hein.
Du coup, bah voilà, c'est la VHS de Yu-Gi-Oh! Donc je sais pas ce que c'est, ça doit être une bonne annonce. Vu l'épaisseur ou juste le générique, je sais pas. Le jeu commence dès la rentrée sur M6. Ouais, ça doit être ça, ça doit être une bande annonce qui doit être dedans, qui doit être diffusée dans les magasins de jeux vidéo. Bon, le magasin de. Comment ça s'appelle? Il est marqué Jouet Club, c'est ça? J'ai pas vu Jouet Club? Ouais, la grande récré, pardon. Du coup, voilà pour cette première partie de récupération de en brocante, hein, de vide-grenier. Là, j'ai fracassé tout là. Là, il y a environ, je crois qu'il y a une bonne quarantaine de jeux. Il en reste encore, il y en a eu, j'en ai récupéré 131. Jeux PlayStation 2, 3 et GameCube. Du coup, rendez-vous pour la prochaine partie de la vidéo du compte-rendu de vide-grenier de 20. On est combien? On est le 19. 19 décembre 2021, et oui, il y a encore des brocantes en décembre, hein, chez nous à Paris, hein, vous voyez, toujours, hein. Ils sont là, bon ça va, il neige pas. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager, et surtout abonnez-vous, et commentez pour me dire s'il y a des jeux qui vous intéressent, comme ça on pourra faire un échange, ou alors bah, je vous les vends tout simplement, je les vendrai sur Vinted, ou sur le bon coin, parce qu'il y a des jeux qu'on ne peut pas vendre sur Vinted, parce que quand il y a marqué plus 18, c'est mort, donc ça sera sur le bon coin. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, pouce bleu, like, commentaire, n'hésitez pas à contacter aussi. Et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner surtout, hein, parce que plus on est nombreux, plus on va bien déconner là-dessus. Allez, je vous dis ciao, abonnez-vous, ciao!